Bonjour. Dans nos utilisations quotidiennes des applications web, nous sommes identifiés par le username et la password. Le username et la password sont choisis lors de l'opération d'enregistrement où nous établissons notre identité avec le système en fournissant le plus souvent des informations parmi lesquelles on peut distinguer le nom complet, le contact, email, numéro de téléphone ou adresse. Le username, le plus souvent appelé identifiant ou login, le mot de passe et autres. Notons que ces données permettent d'individualiser quelqu'un et de le reconnaître. À l'issue de l'enregistrement avec succès, il n'est pas établi une identité pour nous qui nous est envoyée. Le serveur garde ces données et nous demande de retenir le username et la password. Il nous demande également de ne pas partager notre mot de passe avec qui que ce soit. Il faut aussi noter que nous créons des identités de cette forme dans divers serveurs chaque fois que nous sollicitons utiliser des fonctionnalités à disposition dans une application web. Par exemple, pour Facebook, une identité est créée, de même pour Google, LinkedIn, Yahoo, etc. Ces identités ont des informations communes et d'autres sont distinctes. Cela nous pose un problème. La gestion des différentes identités créées avec ces applications web. Des semblants de solutions sont apportées, mais elles ne sont pas efficaces. Nous verrons dans la suite ces solutions, mais notons que la solution réelle à un tel problème est le protocole SSI. Merci pour votre aimable attention.